Bonjour à toutes et à tous et vous bienvenue dans ce qui pourrait être le grand final de notre aventure sur Rocksteady Revolution, notre peut-être troisième mandat. On y va confiant, les gens nous aiment bien, on a même pu se permettre de passer quelques petites lois comme ça à la fraîche à la fin. Il nous reste 4 mois si j'ai bien calculé. On va donc se permettre ici de lancer une petite recherche de ressources. Et on va y aller en un tour. Alors ça lag toujours un petit peu avec l'inspecteur de ressources, normal, hein, il a tellement de mouvements que le jeu a du mal. On a un café, on a de l'eau, on a un bon petit cigare de nos amis cubains, il n'y a plus qu'à. Hop là, alors qu'est-ce que tu nous trouves pour la glorieuse république du Basenji? De la bauxite! Bon, c'est toujours ça. Mais c'est pas ouf, on aurait pu faire mieux. En plus on n'a pas de population dans ce coin. Bon, de l'autre côté une mine c'est juste un truc, donc on peut se permettre de claquer une pop de plus. C'est acceptable. Et on va faire notre petite route par ici, voilà, et on va immédiatement l'améliorer au max. Voilà, parfait. Alors ici on a perdu un de loyauté, nos drones ça va, on va continuer de se déplacer par ici. Merde, c'est arrêté au milieu de la ville. Encore un petit point, voilà, on va se toc par là, c'est bon. Ici, si jamais il devient ennemi, du coup, normalement, notre Sam devrait automatiquement tirer grâce à son interception. Donc on n'est pas trop inquiet. Toc, ici c'est bon. Ici c'est bon. Ici... Ouais. Tu vas te rediriger par là. Tranquillement. Ici c'est pas mal. Et ici on est bien, ok, on passe un petit tour de plus. J'ai pas regardé les agents de renseignement, on va jeter un oeil au cas où, mais normalement on devrait pas y avoir de problème. Ça aurait probablement gueulé s'il y avait besoin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les diplomates des Arbiles ont fait part de l'inquiétude vers vide de notre... Ce sera la récente dépénalisation de la consommation d'alcool. Ils pensent que cela met le Basenji à la part des autres nations arabes dans la leur, et ils peur d'une augmentation de la contrebande d'alcool à nos frontières. Alors, on peut augmenter la fréquence des inspections aux frontières, on va faire ça. Pas de soucis, la contrebande, c'est pas notre trip. On est pour la liberté des citoyens, nous, pas pour la contrebande. Et d'ailleurs, je me souviens que je voulais faire ça, mais je me suis souvenu ce qu'on pouvait faire avec nos points de la justice, c'était améliorer des journalistes. Et donc on pourrait avoir un journaliste level 3. Alors on peut pas faire d'histoire hein, puisqu'on a fait... c'est pas par journaliste, c'est bien pour tout le monde. Mais on pourra éventuellement avoir le petit bonus pour enlever la corruption si besoin. C'est toujours ça de prix. Ici on a terminé l'école diplomatique. C'est parti. On va faire ça. Et après j'aimerais faire ça. En avant. Et lui, il a fini les agents dormants. Les citoyens ordinaires se font laver le cerveau et deviennent des agents dormants. Occasionnellement, les citoyens deviennent des agents de renseignement de niveau 3. Ouais, franchement, là, c'est un peu violent quand même. Hein. C'est franchement violent. Il te reste juste ça à faire. Bah, vas-y, fais-le donc. Ici, l'agent de renseignement, pour l'instant, ne détecte rien. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. On est revenu à un niveau de pop. On va donc désactiver ça. Notre autre agent de renseignement, il doit être dans le coin maintenant, non? Où est-ce qu'il est rendu? Donc c'est celui qui était déjà là? Du coup l'autre... Celui qui est là, voilà, c'est celui qui est là. Il voit rien, on va l'envoyer par ici. Si la circulation vers Carif est vraiment très faible hein. Pas de problème de circulation nulle part, 200, 151, 129. Quelques points chauds toujours là, mais on n'a pas vraiment moyen vu la
Vu le terrain qu'on a, de faire beaucoup mieux. On pourrait éventuellement percer des gros tunnels, mais partout on a des bâtiments en fait. Donc, pareil, on pourrait peut-être faire un pont ici. Ça, on pourrait faire un pont ici. On pourrait faire un pont ici. Si on voulait vraiment faire un truc qui contourne totalement. C'est une possibilité. Effectivement. Toc. On va voir si ça améliore un petit peu les points chauds là, même si j'y pense pas. Hein. On n'est pas sûr non plus de la circulation de fou, hein, très clairement. Ici, bah, on va pouvoir tranquillement. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait reculer. On va pouvoir tranquillement gérer tout ça et remonter la loyauté des gens, puisqu'on a désactivé notre loi. Donc c'est parfait. Et on passe le tour. Et on boit une gorgée de café pour se préparer aux élections. Ah oui, on voit que il fait le tour parce que c'est plus rapide par les routes qu'en traversant la ville. Ça, c'est bien ça. Un agriculteur nous a signalé qu'il a abattu un drone espion américain qui volait illégalement dans notre espace aérien. What? Étudier le drone, faire une déclaration publique ou se plaindre officiellement à l'ambassadeur des États-Unis en privé. Ah non, on dénonce publiquement les États-Unis, non mais sans déconner. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Approuver la construction d'un musée à Carif, mais carrément, pas de problème, pas de problème pour ça. On en est où par contre là? Nation récalcitrante. Nation peut fournir de l'équipement aux rebelles présents au Bazenji, ce qui leur donne des points de vie supplémentaires. Voilà. Donc là, peut-être qu'on va commencer à avoir du FLB soutenu par les Américains. Même si pour l'instant, ça paraît être trop le thème. Après, je pense qu'il doit y avoir un genre de jauge cachée sur est-ce qu'il y a suffisamment de personnes mécontentes pour créer des trucs là-dedans. Mais peut-être que du coup ça donnera un boost suffisant pour que des gens rejoignent le FLB. On verra. On verra, on verra. De toute façon, on est quand même plutôt bien protégé. Hein. On va pas se mentir. On est capable d'aller à peu près n'importe où sur la map, assez rapidement, assez facilement. Alors peut-être que si en face ils sont en force, ça peut mal se passer. Ils peuvent avoir le temps de détruire quelques trucs, mais on a l'infrastructure pour réparer. Je suis pas trop inquiet. Je ne suis pas trop inquiet. Alors. Est-ce qu'il reste un mois ou deux? J'ai pas compté. Voyons voir. Alors, la Russie et un autre pays se sont imposés de lourdes sanctions, mais une entreprise privée nous demande notre aide pour construire un pipeline souterrain en secret pour relier leur pays à notre port. Cela pourrait être très lucratif, mais si nous sommes découverts, cela pourra endommager nos relations avec tous les pays impliqués. Non. On informe le gouvernement de la requête. C'est pas la teuf non plus. Ok, il devait nous rester un mois du coup. Il faut qu'on fasse un musée. Faisons un musée. Un petit musée là peut-être, pas très loin de notre cher hôtel qui nous rapporte des blindes. On va le construire juste à côté de la raffinerie, ce sera parfait. Hop, hop. Et on a de nouveau débloqué des points. Alors c'est lui qui nous demande des trucs parce que c'est à Carif que c'est le moins développé entre guillemets. Mais malheureusement, c'est ces faveurs qui nous servent le moins. Enfin, non, c'est celles qui nous servent le moins, c'est les siennes, puisque maintenant elles sont gratuites. Mais techniquement, vous m'avez compris. Alors, est-ce qu'on voit des problèmes? Non, on voit pas de problème ici. Et toi, est-ce que tu vois des problèmes? J'ai pas l'impression. On va tomber par là. On a plein de sous, niveau énergie on est bien, niveau renseignement on est pas mal mais ça monte plus tiens. T'as fait de la merde toi, non? Non t'as pas fait de la merde. T'as pas fait de merde, pardon, excuse-moi, je suis désolé, je pensais que... comment ça se fait que ça monte plus? On a dû perdre un bonus qu'on avait sûrement. C'est pas un besoin non plus hein.
Assouplir régulation de construction. Ouais, on peut réactiver ça maintenant. Voilà, c'est ça qui nous manque. Ici, on est plutôt content. Là, travaille sur les échanges culturels. Toi, t'as plus rien à faire. Toi non plus. Toi non plus. Cela te dit non, rien de particulier. On passe le tour. Today, all Basenji citizens will go to the polls to cast their vote for the glorious leader. Alors aujourd'hui, tous les citoyens du Basenji se rendent aux urnes pour élire le prochain chef suprême du Basenji. Si vous perdez votre mandat, chef Evra, le contrôle de la nation sera transféré au ministre. Et à moins que peut-être vous ne vouliez, comment dire, vous assurer de remporter la victoire. Non, on ne va pas s'abaisser à ça. C'est parti. Bim, un vote. Bim, 2 votes, 3 votes, 4 votes, 5 votes, 6 votes, 7 votes, 8 votes, 9 votes, 10 votes, 11 votes, 12 votes. Si c'est pas beau. Et sans dictature, hein, vous remarquerez. Il a eu 1 vote, 2 votes, 3 votes, 5 votes. Il y a quand même des fumées mécontents. Oh la vache. On va tellement le défoncer. C'est marrant, on est quand même en favorise les ruraux. Pourtant, on a fait quand même quelques trucs anti-ruraux. Enfin, c'était les ruraux étaient censés pas aimer. Congratulations on another 4 years, but we have a problem. The Basenji Gazette just ran this concession statement from your rival. So many of us fought and died to free our nation from the tyranny of despotic monarchy. I cannot, in good conscience, continue to serve a government that would behave in the same manner. Deserve no end to this treachery. It gets worse. The Basenji Liberation Front will free our nation again, by force if necessary, and return it to the people. I call upon all citizens who love their nation to renounce the glorious leader and fight for a new constitution that represents the needs of both Basenjis and Karibis. Young and old, rich and poor. There's more, but I think you get the point. This minister is a goat-faced, dung-eating... Your Excellency, we are facing a second Basenji civil war. I have every confidence we will win. C'est terrible. Les vœux là. Alors on a gagné et genre il est pas content. Ah bah il est toujours là déjà. Donc a priori je vois pas d'ennemis là comme ça. Mais il y a une musique en mode tristesse qui s'est lancé. Alors, que disent nos agents de renseignement? Pas grand chose. Alors honnêtement, je me demande si on n'a vraiment pas eu un bug vis-à-vis du FLB, hein, parce qu'on en a vraiment quasiment pas vu depuis le début. Après le premier mandat où ils étaient censés se rebeller et tout, on n'a rien vu. Et là, bah, y a pas l'air d'avoir grand chose non plus. On va passer le tour quand même pour voir s'il se passe un truc. Mais sinon, ça conclura probablement notre série ici. La police a arrêté le ministre pour conduite en état d'ivresse. Ça pourrait être une opportunité. Bah, on va faire de lui un exemple de toute façon. Il a publié un truc de fumier. Et oui, je m'attendais à ce qu'ils nous disent voilà, je pars, je suis pas content, et puis on a des mecs qui pop et tout, mais non. Bon, bah, du coup, on va arrêter de toute façon cette série-là. On a réussi notre objectif d'avoir notre nouveau mandat, et ça c'est plutôt cool. J'espère que cette série vous aura plu. Moi, je me suis bien amusé sur le jeu, même si on a arrivé à certains points, atteint un petit peu les limites. C'est pas grave, franchement il est vraiment cool, donc je vous le conseille toujours si jamais vous voulez un jeu avec un petit challenge et vraiment des trucs complètement lol. On a vu la guerre des machines, on a vu les invasions d'Oryx, les tigres mangeurs d'hommes et tout, enfin franchement pas mal de trucs assez fun. Donc en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et bah, je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.